Putain, mais quel con. Mais quel con quand j'y pense. Mais quel con. J'ai tellement peur de prendre un coup sur le dernier. Le dernier Batman. Qu'à chaque fois, je prends un coup ou je tombe dans le vide. C'est automatique. À chaque fois, je la prends cette carotte. Donc, il va falloir que j'évite maintenant. Je commence à en avoir un peu marre. Voilà. Faire des wall jump aussi, c'est bien. Ça s'est pas joué à grand chose. Ah, quel con j'ai été de vouloir safeiser comme ça. Mais quel con, quoi. Et là, c'est pas la faute des patterns, hein, c'est uniquement la mienne. Uniquement. Parce que j'ai trop peur d'aller agressivement sur le ninja sur le rocher pour prendre position et tuer le Batman derrière. Chaque fois. Ça fait plusieurs fois de suite que je tue des runs à cause de ça. Non mais là c'est vraiment pas la faute de l'ennemi, hein. C'est justement, c'est le timing. Le pire c'est que le timing je le connais. C'est pour ça en fait. Juste que j'arrête de me faire dessus, voilà. On va dire ça, on va appeler les choses comme elles sont. Et puis ouais, 2 hits on l'accepte. Diantre! Un début de 2-2 qui se passe bien, sans erreur. Oh mon dieu, tellement beau. Tellement de bonheur. Bon, par contre, là, il est fort que je fasse gaffe parce que des kunai, j'ai pas ma réserve des derniers tries. Là, je suis vraiment. Je suis à la limite. Donc, j'ai pas intérêt d'en gaspiller. Faut rester prudent. Éviter d'en gaspiller avec des doubles sauts. Bon.
Ça fait des points, c'est pas grave. Ça perd pas de temps, voilà, ça occupe. Allez, chercher un power-up en plus. Ça rapporte, je crois, 250 points, quelque chose comme ça. C'est important, le high score. Puis on a plus l'habitude des jeux avec des scores, comme ça, voilà. C'est... D'accord. Tu peux arrêter d'être con, merci. Je parlais de pas gaspiller de kunai, j'en gaspille. Très bien. Cet homme est stupide. Il ne sait pas ce qu'il fait. Allez. Restez focus. Allez, on va gagner du temps là. Putain, quasiment 6 secondes sans faire le fast kill. D'accord. Preuve que j'ai encore du temps à gagner sur ce stage. Quand même étrange, mais pourquoi pas. Ok, bon, moyen. Moyen, mais j'économise des kunai. Donc... donc l'un dans l'autre, ça me bat. D'accord. Ok. D'accord. Pas voulu, il a pas voulu te faire de dive kick sur le dernier. Pour quelle raison, j'en sais rien. Et le plus drôle, c'est qu'ils me mettent des dégâts, mais je perds pas le power up. C'est très drôle, ça. Très drôle de perdre 5 secondes sur ce genre de carotte. Très très drôle. Enfin bref, c'est... c'est chiant, c'est chiant. Après ça va parce que j'imite la casse niveau kunai, donc ça c'est bien. Aussi. Parce qu'en fait si vraiment je surutilise beaucoup trop les kunai, je peux me retrouver dans la merde pour la fin du stage 6 en fait. Je peux me retrouver dans la merde à ce moment-là. Donc les kunai que j'ai préservés sur le niveau 3, ils vont me servir. Même si ça me fait chier de perdre autant de temps sur une connerie. Mais bon. Voilà, là j'en ai raté 20. Génial.
J'ai failli me prendre les mines à la fin, en me disant, c'est bon, c'est passé. Mais là, on est bien, maintenant. Et si on faisait le défi du perds pas de temps en prenant des dégâts sur la fumée, sac à merde. Et si on faisait ce défi, un défi très intéressant. Un défi passionnant. Dans lequel on évite des sacs à merde pour perdre 5 secondes gratuitement. Voilà, comme ceci. Et j'ai... Oh putain. J'ai failli me prendre un dégât du Wolverine là sur le tuyau. Je l'aurais très mal vécu. Je l'aurais terriblement mal vécu. Ouais, ça passe. L'important, c'est la suite. Ok, save strat. Save strat avec le dive kick sur la troisième citerne. Je préfère sacrifier une seconde que d'en sacrifier minimum 5 à re-récupérer le power-up. Le power-up de safety. Relance un dash, s'il te plaît. Ça serait bien. Putain. À combien de frames près il me met le coup de laser? À combien? Deux frames, peut-être trois frames. Mais ça suffit pour me faire perdre. Beaucoup trop de temps à mon goût. Là, j'ai été trop agressif pour pas grand chose. Voilà, nickel. Ça, c'est bien.
Là, ça passe bien. Et ça me fait d'autant plus chier d'avoir perdu le power-up. Ça me fait d'autant plus chier, mais bon, c'est très bien passé au niveau des clips, donc... on va l'accepter. Je gagne que 20 secondes. Bah là, faut compter 5 secondes de power-up perdu et 5 secondes de d'imprécision. Allez, salut Dev Débile. Merci pour le good luck. Même si pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Bah, je me chie dessus beaucoup. C'est assez terrible d'ailleurs. Assez triste. Voilà. Ce coup-ci, tu décèdes. Bon, j'aurais pu éviter le double saut là. Mais en tout cas, merci. C'est bon, on peut respirer. J'avoue que ça me faisait... beaucoup chier de perdre le power-up ici. Donc là, maintenant que je l'ai, c'est bon. En plus, si je réussis à garder le power-up là maintenant sur le 6-2, je peux gagner du temps. Donc... Donc autant le faire. Le demi-boss passe bien. Nice. Je perds pas de temps sur les transitions, donc ça c'est bien. Bon, là j'en perds un peu. Il y en a 3 sur les 4 qui sont bien passés, donc. On l'accepte largement. Accepte très largement même. Ok. C'était un peu n'importe quoi, mais soit. Voilà. Nickel. Ça maintenant, hop là, on court tout droit. Là, on gagne du temps. Beaucoup de temps, même. Allez. Nice.
Allez. À moins d'un gros accident, c'est un goal sur le 6. Ok, c'est bon. RNG moyenne quand même. RNG moyenne. On gagnera du temps sur l'ensemble du stage, mais je pense que sur le boss on va en perdre. En fait non. Parce qu'on a eu une très bonne RNG sur la phase 2. Donc tout va bien. Et je gagne 10 secondes. On attend sèchement. Voilà. Économisons Bakunai gratuitement. C'est pas mal. Allez. Il n'y a plus que la fin à gérer. Le 7-1, je me suis pas fait troller. Donc si tout se passe bien, on a un PB à la fin. On a passé le plus dur. À part peut-être les trolls du 7-3. Bon là perdre le power-up, honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous complètement. C'est peut-être un des rares passages où j'ai pas envie de perdre de la vie, en fait. C'est... Là, c'est la vie qui m'intéresse plus qu'autre chose. Parce que je vais devoir sacrifier beaucoup de vie pour les setups d'après. Allez, nice. On va récupérer le petit medkit là. Voilà, ça en est à fond. Et salut Battle Story. Oula. Ok. Bah c'est difficile. Après là je me suis un peu chié là honnêtement. Je me suis un peu fait peur. J'ai raté un des sauts là sur la série de barrières. Ah là je vais prendre zéro risque. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de piège dans cette version-là. Sur la version Jap, il y a un précipice à cet endroit. C'est pour ça que je me suis fait un peu... caca dessus. Comme dirait Mister MB. Il y a eu trace de pneus. Mais bon, si je suis arrivé jusque-là...
On est quasiment au bout, donc le pibi devrait être là. On devrait y être. Aïe. Bon, ça en vrai, j'aurais pu éviter. Voilà, yes. Et j'ai complètement raté mon dash jump là. J'ai complètement fait n'importe quoi. Voilà, là j'ai besoin de reprendre mon rythme précis au niveau des sauts. Voilà. Allez, le boss final, on gère ça comme il faut, ça fait sub 27. Eh, ça fera peut-être pas sub 27 en fait. Ça va, sub 27. Oh, Walida! Et je perds du temps sur le 7. C'est pour ça, c'est à cause de la série de barrières que je rate. C'est à cause de ça que je perds du temps sur le 7. Et. Ah, je peux. Ouais, sur le 7-2 aussi, je perds un peu de temps. C'est vrai. Ouais, on s'est fait peur. On s'est fait quand même assez peur là sur ce run. Faut être honnête. Après le. Je suis content d'avoir gagné beaucoup de temps sur le stage 2, c'est quasiment un gold d'ailleurs. Merci DevDevil. Merci beaucoup. Je me suis fait. Ouais, le niveau 3, c'est. C'est une purge. C'est vraiment une purge. Mais bon, le 5 a été bien géré, c'est dommage que je perde le power-up pour quasiment rien en fait. Donc il y a encore du temps à gagner. C'est un sub 27 à minima, un petit peu. Même si le principal est passé, hein, il n'y a pas eu de. Enfin, le stage 6, il n'y a pas eu de perte de power-up. Le 5, tous les clips sont passés comme il faut. Il n'y a pas eu d'erreur sur les clips. Et le 7, ouais, il y a juste 2-3 erreurs où je perds un peu de temps. Mais on a le sub 27, et ça, c'est bien. C'est même très bien. Je suis un peu au bout de ma vie là, parce que je suis super chaud. En plus avec le...